Nous sommes venus pour qui? Acclamons pour son cri de joie. Est-ce qu'on peut chanter? On peut faire ce que nous sommes en train de chanter. Commence à te prosterner. Non pas pour son âme. Non pas pour son âme. Alléluia. Alléluia. Nous venons nous prosterner devant toi. Nous voici prosternés, Dieu tout puissant. Yosa papa, yosa nzambe na nguya e. Yosa nzambe, yosa nzambe na nguya e. Yosa nzambe na nguya. Yosa papa, yaya yo bongi na nguya e. Dis-le-lui justement qu'il est Dieu. Okokani na mutote, ozanzambe na nguya e, yozanzambe. Okokani na mutote, papa nanga yozanzambe na nguya e. Yozanzambe na nguya. Kombo na yo ezali kolo ya bakombo nyonso nzambe na nguya e. Yozanzambe. Yozanzambe. Yozambe na nguya e. Yozambe. Oh yoza papa, yo bongi na nkembo. Yozambe. Oui tu es le Dieu tout puissant. Tu es Dieu tout puissant. Tu es mon Dieu, tu es un Dieu tout puissant. Tu es Dieu, chantons qu'il est puissant, il est glorieux mon Jésus, mon Jésus. Tu es puissant, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh tu es Dieu, oh tu es mon Dieu. Tu n'es pas venu pour voir un homme. Tu n'es pas venu pour assister à un concert quelconque. Mais si tu es venu, c'est pour expérimenter oh la puissance de l'adoration. C'est pour expérimenter ce que l'adoration peut manifester dans ta vie. C'est pour expérimenter ce que l'adoration peut emmener dans ton cœur. C'est pour expérimenter oh la grandeur de l'adoration. Oh oui, adore-le, adore-le, adore-le. Dis-lui que tu es là pour t'adorer. Ne te limite pas à lui dire que tu es là pour l'adorer. Mais vas-y maintenant, adore-le. Mais vas-y maintenant, adore-le. Mais vas-y maintenant, adore-le. Élève ta voix. Est-ce qu'on peut saturer l'atmosphère par notre adoration? Saturons l'atmosphère par notre adoration. Saturons l'atmosphère par notre adoration. Saturons. Père éternel, papa, c'est de votre. Adore-le, acclame-le, il est digne de cela. Ces acclamations sont aussi un signe d'adoration. Ces acclamations sont un signe d'adoration. Acclame-le encore plus fort que ça. Acclame-le encore plus fort que ça. Acclame-le. Acclame-le. Alors que tu l'acclames, tu lui dis des paroles. Alors que tu l'acclames, tu lui demandes réellement que tu es là pour lui. Alors que tu l'acclames, tu lui dis que ton cœur est disposé encore une fois à ce pour l'adorer. Nous allons prendre du temps dans cette adoration. Nous allons prendre du temps dans cette adoration. Thank you.
Je te prie, je te veux, je te cherche, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Monte mananga, je connais qu'un seul amour. Zambo yandima comme il kava, comme il fait sa mobimba. Mon conjo yako, tiens le nyonso, nous a nyonso mon souyanda. Si tu veux cette expérience avec lui, chante ce refrain de tout ton cœur. Chante ce refrain de tout ton cœur. Il s'appelle ces moments avec toi. Il s'appelle le Dieu parmi son peuple, non pas vainement. Il s'appelle le Dieu parmi son peuple justement pour pouvoir vivre ces instants avec toi. C'est en ce moment qu'il se manifeste maintenant tel qu'Emmanuel. C'est dans ce genre de d'instants qu'il se manifeste en tant qu'Emmanuel. Il n'attendra pas qu'il soit ton Emmanuel seulement quand tu seras dans ta chambre. Il sera ton Emmanuel partout où tu seras. Il sera ton Emmanuel en ce lieu. En sortant de ce lieu, il sera ton Emmanuel. Dans ta chambre, il sera ton Emmanuel. En ce jour, il sera ton Emmanuel. Demain, il sera ton Emmanuel. Après-demain, il sera ton Emmanuel. Autant que tu l'as prié, autant que tu l'as désiré, autant que tu as soupiré après lui par ce cantique, par ce refrain. Reste ainsi. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Fais comme ça, on y va, fais comme ça. C'est un signe qui règne, que notre Dieu descend, qui règne, que sa gloire se répand encore à ce lieu. Yahweh Yoku Mama, Yahweh Yoku Mama. Sois loué, 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 sois
Je veux vous laisser le découvrir de vous-même. Il y en a qui l'ont déjà découvert et il n'y en a pas encore. Mais je vais vous laisser le découvrir vous-même. Alléluia. Pendant que le premier orateur de ce soir s'approche, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qu'on acclame, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on acclame. Alléluia. Vous disposer, si cela n'est pas trop demandé, car vous savez, nous avons écouté des paroles et des paroles dans nos vies, mais il n'y a aucune parole qui peut te sauver si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Tu peux aller à l'école écouter ton professeur, aller à l'université écouter ton professeur, réussir l'université et être un homme sage et intelligent. Mais le jour de ta mort, le calcul mental ne te sauvera pas. Le jour de ta mort, la géographie ne va pas te sauver. Mais il y a une seule chose qui nous sauve, c'est la parole de Dieu. Si ce Dieu-là est amour, c'est ce qui nous a envoyé, sa parole. Lorsque tu es en train de te lamenter dans ta chambre, c'est cette parole-là qui te fortifie. Lorsque les hommes t'abandonnent, c'est cette parole-là qui te fortifie. Lorsque tu te sens seul, tu regardes la parole et tu lis. Je ne te laisse pas, orphelin. Je ne t'abandonne pas et je ne te laisse pas. C'est cette parole-là qui nous fortifie.
Et j'aimerais que nous puissions nous disposer aujourd'hui. Dispose de ton cœur. Je reconnais, que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Tu vas mourir à cause d'un homme. Oh, for a husband. Oh, tu es en train de te tuer à cause d'une femme. You will be died. L'alcool est en train de te tuer aujourd'hui. À cause de l'alcool, tu es en train de mourir. Alcohol is gonna kill you. Tu as livré ton cœur à l'alcool. You give your life for an alcohol. Et tu ne peux pas faire marche arrière. And you're gonna move back. Tu as livré ton cœur à la prostitution. But you give your body in the prostitution. Juste parce qu'il te manque de l'argent. But you're missing the money. N'as-tu pas lu les Écritures? But you forget the Bible. Que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Oh, sorry, the money and the or is belonging to God. Prayers to God. Mets-toi à prier. Prayers to God. Mets-toi à prier. Prayers to God. The people proclaim. Je veux t'oublier. The people want to forget. Parce que j'ai de l'argent. Oh, but I have money. Je veux t'oublier. I want to forget. Parce que j'ai une femme. Because I have one eye. Je vais t'oublier. I'm gonna forget you. Ah, parce que j'ai des enfants. Because I have a children. Moi qui étais stérile hier. Oh, you were sterile yesterday. Vu que j'ai des enfants. And you have a je vais t'oublier. You want to forget. Oh, je veux pas t'oublier. Oh, I don't want to forget. Oh, je ne veux pas t'oublier. I don't want to forget you. Coûte que coûte dans ma vie sur cette terre. No matter what happened in my life. Seigneur, je ne veux pas t'oublier. God, I don't want to forget you. Un adorateur. And worship. C'est celui qui n'oublie pas l'Éternel. He cannot forget the eternal God. Un adorateur. And worship. C'est celui qui n'oublie pas son lit. Is the man don't forget Jesus. J'étais paralytique hier. I was paralytic yesterday. J'étais paralytique hier. I was paralytic yesterday. Mais aujourd'hui tu m'as relevé. But today you wake le up Dieu me. De faible. You wake up me. Le Dieu de faible. You is the God of toi qui donne la force aux you faibles. You give the powers for the. Oh, que les faibles disent qu'ils sont forts. For the sick man is aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui es ma and force. You are my power today. Et je viens me repentir devant toi. I repent myself. Now. Si j'étais oublié hier. Qu'as-tu fait de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit? Qu'as-tu fait de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit? Voilà que tu as laissé Uri dormir loin de chez lui. Voilà que tu as laissé Uri dormir loin de chez lui. Qu'as-tu fait du temple du Saint-Esprit qui est ton corps? Mon frère, ma soeur, qu'as-tu fait du temple du Saint-Esprit qui est ton corps? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? À l'université où tu vas, à la maison quand tu es seul, quand tu n'es pas devant des gens, quand il n'y a personne auprès de toi, qu'as-tu fait du temple du Saint-Esprit? Qu'as-tu fait du temple du Saint-Esprit? Qu'as-tu fait du temple du Saint-Esprit? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait du temple du Saint-Esprit? Comment te dire ce que je ressens? Regarde au fond de toi-même. Tes bienfaits sont trop grands. Regarde au fond de toi-même. Du fond de mon âme. Regarde au fond de toi-même. Regarde dans ton intérieur, dans ton fort intérieur. Dans ces moments où il n'y avait pas le frère à tes côtés. Comment où il n'y avait pas une soeur qui est à tes côtés. Ressens. Où tu étais seul. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme court de larmes. Il veut que tu l'adores en ce moment. Mais silences. Cette adoration ne consiste pas en paroles. L'argile devant il veut que tu puisses l'adorer en ce moment. Donne-moi cette adoration ne consiste pas en paroles. Frère Emma, s'il te plaît. Il veut que tu l'adores en ce moment, mais cette adoration ne consiste pas en paroles. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses lui offrir ta vie en ce moment. Il veut que tu puisses revenir à lui. Il veut que tu puisses revenir auprès de lui. Il a organisé cette journée spécialement pour toi, mon frère.
spécialement pour toi, ma soeur, qui t'es reconnue dans cette parole. Oui, toi qui as été Bathsheba. Oui, toi qui as été David. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu reviennes auprès de lui. Le Seigneur a besoin que tu reviennes auprès de lui. Il a besoin que tu puisses l'offrir ta vie. Il a besoin que tu puisses l'offrir ta vie. La vraie adoration consiste à donner. Il a dit quelque chose de très important. Écoutez, nous ne sommes pas là pour démontrer que nous savons parler de Dieu. Vous êtes venus pour adorer votre Créateur. Écoutez, je disais au Seigneur, fais que tu puisses créer quelque chose, forme quelque chose qui va démontrer que il y a une puissance qui doit se libérer derrière l'adoration. Écoutez, regardez juste cette chose. Regardez juste là. Oh, j'ai déramassé, j'ai déramassé. Il a prouvé cette œuvre pour te prouver qu'il t'aimait. Écoute, là où tu peux te trouver, j'aimerais te dire juste une chose. Tu es là, tu es venu rencontrer la puissance de l'adoration. Et maintenant, il veut déclencher une puissance dans ta vie. Il veut déclencher des choses qui étaient bloquées dans ta vie. Car tu n'as pas besoin de prouver aux gens. Ta nature est une adoration. Parce que tu as reçu ce Christ. Tu l'as reçu. Jésus. Mon ami de la chambre, c'est toi, mon écoute, ami qui me comprend, écoute, Seigneur Jésus. Cependant, Marie se tenait dehors. Ah, femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Le corps, elle lui répondit. Si je pleure, elle lui répondit.